L'équipe de décoratrices de maisons à vendre s'enrichit d'un nouveau visage. Et ils n'estent pas totalement inconnus des fidèles de M6 ne de Stéphane Plaza puisqu'il s'agit de Jessica Venancio, déjà vue notamment dans Mieux chez soi. La pétillante brune fera ses premiers pas dans l'émission le lundi 24 juillet. Encore une drôle de dame auprès de Stéphane Plaza. Outre l'indéboulonnable Sophie Ferjani, l'agent immobilier le plus célèbre du PAF s'accorde régulièrement les lumières d'autres pros de l'architecture d'intérieur dans Maisons à vendre, à l'instar de Carole Cara et Stéphanie Catanzano ou encore Aurélie Aymar, de retour dans l'émission 10 ans après son départ. La joyeuse bande s'agrandit avec l'arrivée de Jessica Venancio, qui débarque dès le lundi 24 juillet pour un numéro inédit de Maisons à vendre. Et si vous êtes un habitué des programmes immobiliers du groupe M6, vous la connaissez déjà. Maison à vendre, Jessica Venancio a déjà travaillé avec Stéphane Plaza. Architecte d'intérieur, Jessica Venancio a sa propre société, Aventure Déco, qui porte le même nom que son blog. Également ambassadrice de différentes marques spécialisées dans la décoration, elle est marraine d'une école d'architecture d'intérieur et met son expertise au service de plusieurs sites et marques à travers des articles. Mais si est-il aussi un visage du PAF puisqu'elle était à l'antenne de Teva Déco de 2015 à 2020 et a également officié dans la deuxième saison de Mieux chez soi aux côtés de Stéphane Plaza en 2021. Si elle débute donc en prime sur M6, elle connaît cependant bien la maison et l'univers audiovisuel. Nul doute que Jessica Venancio sera donc comme un poisson dans l'eau pour sa première. Maison à vendre, une guest pour la première de Jessica Venancio. Si est-il à Torcy en Seine-et-Marne que Jessica Venancio se lancera dans le bain de Maison à vendre. Elle y viendra en aide à Daniel, un pâtissier à la retraite de 64 ans, qui souhaite prendre un nouveau départ. Depuis le décès de son épouse quelques mois plus tôt, Daniel se trouve bien seul dans son grand duplex au troisième étage sans ascenseur. Malgré le précieux soutien de ses deux filles Annabelle et Charline, le jeune retraité peine à vendre son appartement, toujours dans son jus. Jessica Venancio va donc lui apporter un gros coup de frais pour aider Stéphane Plaza à trouver un nouvel acquéreur à ce bien. Pour les encourager dans cette mission, l'agent immobilier de 53 ans a fait appel à la comédienne Michèle Bernier. Rendez-vous le lundi 24 juillet pour découvrir cette émission, à coup sûr riche en émotions. I think you gotta let me know. Sit down, sit down.